Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc dans le vlog je vous emmène avec moi pendant une semaine pour vous montrer l'avancée de mes tricots petit à petit. Je suis contente de vous retrouver et je pense que c'est le dernier vlog de l'année 2023. Je vais dire 2024. Ouh, j'ai déjà passé une année. Non, non, le dernier de l'année 2023, on se retrouvera en vlog en 2024. Je... Je vais essayer de prévoir quelque chose quand même pendant les vacances, mais niveau vlog, euh, voilà, euh, il va y avoir une pause, je vais profiter de ma famille, des miens, tout ça. Donc euh, c'est le dernier vlog de l'année. Et euh, bah voilà, moi je suis contente, ça y est, euh, dernière semaine avant les vacances, avant nous nos congés, on a euh, quelques jours de congés là pendant entre les fêtes, donc ça va faire du bien. Euh, j'ai hâte, je suis encore plus excitée que les garçons étonnamment. Je voilà, je vis chaque jour comme voilà. C'était le dernier lundi, le prochain lundi c'est Noël quand même quoi, c'est fou, oh, c'est passé mais euh, super super vite. Ben, en tout cas moi à mon sens, j'ai trouvé que ce mois de décembre est passé super vite. Euh, J'espère que donc vous allez bien vous et que ben vous préparez bien les fêtes et que euh, euh, vous êtes content à l'idée que euh, les périodes de fêtes arrivent et que vous allez euh, passer vous aussi un bon moment. Euh, merci énormément ben, pour tous vos messages, pour toutes vos félicitations pour ce fameux cap des 10 000 abonnés sur ma chaîne. J'étais extrêmement euh, touchée euh, d'atteindre ce stade-là et puis euh, vraiment touchée par tous vos messages derrière euh, comme à chaque fois c'est voilà ça. Ça fait quelque chose, ça fait quelque chose. Je, je le répéterai toujours, mais on s'y habitue pas. Donc un grand, grand merci à vous. Et on va continuer en 2024. Il n'y a pas de raison, on va pas s'arrêter là. On va continuer euh, tranquillement. Alors en début de semaine là, donc je vais refaire un point sur mes tricots. Je vais faire un petit point sur ce que j'ai eu dans les calendriers de l'avant ce week-end que je vous ai pas montré. Euh, on va commencer par euh, ce que je porte. C'est pas mal. Hein C'est le pull mille feuilles de Lolita Lolita Fée. Que j'ai tricoté euh, il y a un petit... deux ans peut-être maintenant, deux, trois ans. Je l'aime beaucoup. Je l'ai tricoté en... Je sais plus. Peut-être en or de drops. Et euh, la surie de Fiber space La cumulus. Et je l'aime beaucoup. Avec toutes ces bah, feuilles. Il est vraiment très chouette. Alors c'est un, un pull qui se tricote euh, euh, avec des aiguilles chez... Euh, pas trop petite, se voit être bien, se voit en 4 je pense, ou en quatre et demi. Ça montait assez vite, le motif, il est simple. Euh, N'ayez pas peur, parce que c'est que de la dentelle sur tout le corps, devant, derrière, mais euh, c'est pas compliqué. Et puis le rendu, il est, il est vraiment chouette. Je l'aime beaucoup. Voilà pour ce que je portais. Alors, les ce que j'ai fait ce week-end, je vous, on va commencer par le crochet. Alors, j'ai pas fait grand chose, c'est juste que, ben, j'ai euh, rembourré mon petit rein. Parce que franchement, il avait triste mine quand il n'était pas rembourré, et je l'ai fait. C'est pas dans. Si on suit les instructions du petit kit, ils disent pas de le faire tout de suite, mais moi je trouvais que voilà, j'avais bien envie de le voir rembourré. C'est quand même beaucoup plus joli. Donc le voici rembourré. Euh, c'est un kit marabout. Je je vous ai pas mis de, j'ai pas fait de fiche projet tout ça pour ça parce que c'est pas. C'est pas un patron que vous pouvez retrouver sur Ravelry, c'est un kit qu'on m'a offert. Je n'ai aucune idée d'où est-ce que vous pouvez le trouver, tout ça. Mais c'est pour ça que vous ne trouvez pas de fiches. Je vous avais montré la boîte au début, je crois. Hop. Voilà la petite boîte. Donc tout était dedans. Donc bah, l'objectif cette semaine, c'est de le terminer. Donc vous voyez, en fait, j'ai pas grand-chose à faire. Il me reste bah, tous les petits trucs de la tête, là, les bois oreille nez et puis le ventre blanc en dessous et il sera terminé. Donc ça ne devrait pas prendre longtemps, c'est l'objectif cette semaine, terminer mon Tyrène pour l'accrocher euh, sur le sapin pour qu'il termine euh, la période de Noël, tout ça avec nous. Moi, mon sapin il est quand même là euh, encore un bon moment après Noël, donc y a pas... je vais pouvoir en profiter et puis le remettre chaque année. Ensuite mon petit châle Iris qui vous plaît beaucoup. Hein, le patron est disponible sur Ravelry maintenant et il vous plaît beaucoup. Hop, je vous montre où j'en suis. Oh, je l'aime beaucoup. Alors, je le tricote avec les laines de chez Garance et Compagnie. C'était son club du mois de novembre. Donc, sur la route de l'automne. Et là, le mini, c'était le coloris ébène. Donc, j'ai terminé la partie, euh, la deuxième dentelle. Parce que la première, elle est là. Donc, vous voyez, j'en étais ici. Hop, alors si je vous le montre comme ça, je pense que ça sera plus simple. J'en étais là quand je vous l'ai montré. Et donc euh, j'ai eu encore quelques augmentations. Et là on n'augmente plus. Vous voyez ici maintenant c'est plat à ce niveau-là. Et je pense que vous allez pouvoir commencer à le voir. Cette partie-là est plus petite. <laughs> euh, cette partie-là est plus petite que, euh, que celle-ci. Vous voyez Et j'ai donc terminé la deuxième section de rayures et de dentelles avec le mini. Et donc euh, il me reste. Je l'ai pas encore pesé, mais il me reste tout ça, donc voilà, il n'y a pas eu de souci, j'ai pas du tout euh, manqué de laine et tout, ça passe bien dans un mini de 20 grammes. Donc maintenant, il me reste plus qu'à tricoter euh, du point mousse. C'est vraiment pas compliqué, c'est pas prise de tête, c'est simple, de manière à ce qu'ici toutes les, comment on appelle ça, toutes les mailles, hop, hop, euh, comment on dit. Oui, qu'on diminue toute cette partie-là pour que ça et qu'on augmente cette partie-là. En fait, ici à la longue, il y aura plus de mailles, ça va revenir rejoindre hop, la petite arête qu'on a là. Donc bon bah je vais le finir cette semaine. L'objectif, c'est de terminer ça. Ça va être un objectif de beaucoup de terminer en fait. Terminer mon petit rêne, terminer mon chaliris. Je remonte mon anneau marqueur quand même pour voir la progression, même si c'est pas compliqué. Au final, j'en suis à la rayure. Donc euh, ouais, terminer ces deux ouvrages-là pour, vendre, pour vendredi. Autre ouvrage à terminer, mes fameuses chaussettes de l'avant. Donc les chaussettes de Noël que je tricote. Il s'agit du modèle, euh, bah, les chaussettes de Noël de Lysandre Ourdin. Hop, et voilà. Donc ce week-end, euh, j'ai tricoté, je sais plus. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait déjà Qu'est-ce que je vous ai montré Moi ah, je m'étais arrêtée au zigzag hein, quand je vous l'ai montré. Et en fait moi j'ai tricoté euh, les petites cannes à sucre là. Qui. Hop, ah, si je vous mettais à l'endroit, vous verrez mieux. C'est comme des petites cannes à sucre, mais en même temps, elles forment un cœur, c'est trop mignon. Et ensuite, euh, des bretzels qui ont un petit nœud au-dessus. C'est trop mignon mignon. Donc voilà. Oui, parce que vendredi, en fait, après que je vous ai vu, j'ai tricoté euh, cette partie-là. Samedi, je l'ai fait sur l'autre chaussette. Dimanche, j'ai fait ça. Hop, et que je vous montre. Euh, aujourd'hui, je viens de faire la même chose sur la deuxième chaussette. J'ai fait... Hop. Samedi, donc, j'ai fait ça. Et puis, euh, le... aujourd'hui, je viens de faire ce motif-là. Voilà. Et là, ben, j'ai mesuré ma chaussette. Et au final, j'ai terminé. J'ai terminé le jacquard. Voilà, ma chaussette à moi va se terminer à ce niveau-là parce que j'ai déjà tout ça de longueur et il faut que je fasse la pointe. Je suis les indications. En fait, là, la chaussette, elle fait 80 mailles de circonférence parce qu'elle est tout en jacquard pour être sûr que le, le pied passe bien, tout ça. Euh, j'ai fait la plus grande taille parce que moi habituellement je fais 72 mailles pour des chaussettes. Quand je tricote à la main, je fais 72 mailles quand c'est des chaussettes tout en jersey. Là, en jacquard, bah, j'ai fait 80 mailles. Et donc, euh, comme il y a plus de mailles que d'habitude, il va falloir faire plus de diminutions au niveau de la pointe. Donc, ma pointe, elle est plus longue que d'habitude. Elle fait 1 cm de plus. Finalement mes pointes, elles font 5 et là, bah, c'est pr prévu qu'elles fassent 6 cm. Donc, j'ai dû m'arrêter euh, déjà là pour le jacquard et pas faire le dernier motif. Bon, bah, c'est tout. Alors, elle va être terminée un peu plus vite que prévu parce que moi, j'avais fait en sorte qu'elle se termine pour euh, vendredi. mais bah, En fait, là, il me reste plus que les deux pointes à faire et ma petite paire de chaussettes de Noël sera finie. Voilà, alors j'hésite à... Non, je pense que j'aurai assez. Oui, parce qu'en fait euh, c'est mon marron. Mon marron, il ne me reste pas énormément. Ce que je vous avais dit, c'est la jawol et qu'en fait, j'avais que 42 grammes dans ma pelote, puisque dans les 50 grammes euh, euh, indiqués sur l'étiquette, il y a dedans une bobine de renfort qui fait 5 grammes. Qu'en fait, on n'a pas 50 grammes de laine, on n'en a que 42 grammes. Donc le métrage est un peu plus court et je me suis dit... Euh, pff, ça commence à être un peu euh, serré pour, ma, pour mon marron, mais comme là il ne me reste plus que ma pointe, ça va Je m'étais dit ben, que j'aurais fait ma pointe. Hop, je m'étais dit que j'aurais fait ma pointe en rouge. Comme on avait du rouge là-haut, ça aurait peut-être pas été choquant. Et je pensais faire euh, du jacquard en faisant un point blanc, un point rouge. Non, un point marron et un point rouge euh, sur quelques rangs pour euh, passer à la transition, passer au rouge. Mais je pense que, bon, comme j'ai déjà fini finalement le jacquard, je vais pouvoir faire ma pointe et j'en aurai assez. Donc bah ça, ça, mes chaussettes vont être terminées cette semaine, hein. il ne reste que deux pointes à faire, ça va aller vite. Donc ça va faire quand même trois en cours terminés cette semaine, normalement mon châle, le petit reine, mes chaussettes. On est pas mal. En parlant chaussettes, vous avez pu voir dans les petites images au début, euh, j'ai fait un tube ce week-end. Je vous en ai parlé il y a deux vlogs, je crois, euh, que j'ai reçu la machine euh, de chez Picnit pour faire des tubes, donc à la machine. Et ce week-end, j'en ai refait un. Donc cette fois-ci, j'ai fait avec une laine de teinturière. Jusqu'à maintenant, j'avais, je n'avais pas fait beaucoup. Je me suis fait qu'une paire de chaussettes. J'avais fait un tube pour essayer avec un reste. Je me suis fait vraiment euh, une chaussette avec une pelote de laine. Euh, on va dire industriel et là j'ai fait euh, une boulette du bruit des aiguilles donc une laine teinte à la main donc voilà j'ai fait mon tube donc là il ne reste plus qu'à faire talon cote pointe voilà ça va être un peu l'objectif euh, je pense cette semaine euh, par exemple là, là après ce soir j'ai une réunion euh, parents élèves euh, pour le, au collège pour Noah euh, on n'est pas du tout dans les premiers parents, on est assez loin sur la liste, donc je pense qu'on va avoir cumulé du retard. Donc je vais prendre ma chaussette pour euh, tricoter un peu en attendant. Donc ça va redevenir un peu. parce que j'avoue que depuis avoir de chaussettes euh, à tricoter dans la voiture quand j'attends un peu, bah ça c'est un peu embêtant. Donc là c'est bon, j'ai récupéré ma chaussette. D'ailleurs ça a fait, euh, ça a surpris mon homme. On a fait un peu de voiture euh, samedi et j'avais pas de tricot du tout avec moi. À un moment, il me regarde et il me dit Mais t'as pas de tricot Je lui dis Bah non. Parce que sur mon chalodile, j'en arrivais sur la dentelle et je voulais pas faire dans la voiture. Je voulais être concentrée sur, euh, dessus. Même si c'est une dentelle super simple et tout. Mais euh, comme c'est pas un diagramme, comme c'est des explications rang par rang écrites, je préférais, je préférais être bien posée euh, que faire ça dans la voiture. Ah, ensuite, bah, j'ai mon pull. Je vais vous en de mon pull en jacquard. Euh, bah, je l'avais pas pris non plus. Mais en bref, j'avais rien. Et mes chaussettes, comme c'est en jacquard, il faut suivre la grille, j'aime je, 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 pas trimballer tout ça en voiture, donc j'avais rien à tricoter. Et ça a surpris mon chéri, je lui ai dit bah non, j'ai pas. Donc, je, dimanche, j'ai fait ma, ma, mon petit tube avec la machine. Alors, j'ai eu énormément de questions, parce que je l'ai partagé un peu sur Instagram, et vous inquiétez pas, je vais vous préparer une vidéo pour vous parler un peu de la machine, en quoi ça consiste et tout. Euh, alors c'est rigolo parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a demandé, bah oui mais <laughs> est-ce que c'est pas trop pénible de devoir faire après euh, bah, les talons, pointes et côtes Alors oui c'est sûr que d'un coup on se retrouve avec que ça à faire, mais le temps gagné sur toute la chaussette là, sur tout le tube, il est incroyable. Euh, là à la fin de la semaine j'aurai une paire de chaussettes, chose que j'aurais pas pu faire euh, en temps normal. Euh, je me serais pas lancée dans une paire de chaussettes en plus de tous les tricots que j'ai en ce moment. Et donc euh, là c'est parce que voilà, en même pas une heure j'ai fait mon tube hier matin. Euh, c'est chouette, euh, je vais pouvoir faire ma, ma chaussette. Alors, moi qui n'aime pas trop faire les talons, bah forcément, là je vais me retrouver à faire euh, deux talons euh, coup sur coup. Mais euh, ça va encore, c'est des talons après coup. C'est euh, un peu comme ça, on C'est comme faire des pointes. C'est pas compliqué. Ce que j'aime le moins, c'est faire les talons euh, à, à gousset Alors que ben, c'est quand même ceux qui, je trouve, vont le mieux au pied. Mais là, j'ai fait déjà une paire avec un talon après coup. Et franchement, elles me vont bien au pied, donc euh, bon. Euh, voilà, ça me dérange pas de me dire là je vais faire que des pointes, que des côtes, euh, vu le temps gagné sur la chaussette, c'est chouette. J'ai déjà marqué, alors même si ce sont des rayures, euh, comme ici je voyais pas, on voit pas bien entre les deux couleurs, et je pense que c'est pour ça que c'était devenu une boulette, c'est parce que les deux coloris étaient trop proches à ce niveau-là. J'ai mis des marqueurs en poule pour marquer tous les dix rangs pour savoir où couper ma chaussette, et je sais que je vais couper là au niveau du, du marqueur blanc, c'est le pied de mon milieu. Euh, ce que je vais faire là, je vais commencer par faire la pointe des deux côtés parce que sur ma première version, la première fois que j'ai fait, j'avais jamais fait ça. J'avais jamais fait un tube même tricoté à la main pour euh, ensuite. Euh... Parce en fait, ce qui permet bien là, ce qui est bien avec le faire un tube, c'est qu'on utilise vraiment toute sa laine. Voilà, il n'y a pas de. Voilà, là, la, toute la boulette du bruit des aiguilles a été tricotée et donc il euh, n'y a vraiment pas de gaspillage. Et euh, j'avais jamais fait ça, donc j'ai fait une première paire de chaussettes le j'ai fait la pointe d'un côté, j'ai fait les côtes de l'autre côté. Ensuite, je suis venue couper mon tube. Ah, pour ça, il y a des tutos moi j'ai suivi le tuto de Anna justement le bruit des aiguilles, euh, c'est son pseudo c'est Enabis sur euh, YouTube. Euh, Claude Tricot aussi fait des tutos pour ça et puis vous en trouverez d'autres sur YouTube. Moi je vais pas vous faire de tuto, il y en a déjà plein qui sont bien expliqués. Mais euh, voilà, moi après je suis venue couper mon tube, j'ai refait la pointe pour celle qui ne pas et les cotes pour l'autre, et ensuite je suis venue faire les talons. Sauf que j'ai cru manquer, j'ai eu peur de manquer de laine pour faire mes talons euh, parce que j'étais vraiment juste dans mon mini de 20 grammes. Donc là, je ne voudrais pas reproduire la même chose. Je voudrais faire les deux pointes. Euh, je vais séparer mes chaussettes, euh, j'ai séparé mon tube en deux, mettre les mailles pour les cotes en attente sur les deux chaussettes, venir faire le talon. Et ensuite peser ce qui me reste euh, de mon mini de 20 grammes pour faire les côtes euh, le même nombre de rangs des deux côtés. Je trouve que c'est moins grave si j'ai pas beaucoup de rangs de côtes. Par contre, je viendrais bien avoir assez de laine pour faire tout mon talon en entier. Donc voilà, ça c'est un peu l'objectif cette semaine. Si je le termine pas là, je le terminerai la semaine prochaine. Il n'y a pas d'urgence. Euh, mais euh, j'ai fait un tube à nouveau avec la machine. Regardez-moi ça. Donc je vous en reparlerai en détail hein, euh, dans une vidéo tout ça. Euh, ouais. Donc, là avec la machine, parce que c'est ça que je vous disais, la chaussette en jacquard, tout en jacquard, j'ai pris 80 mailles parce que moi j'ai vraiment un gros pied. J'ai pas un grand pied, il est pas si long que ça, euh, mais moi je chose du 41 parce que sinon mon pied il passe pas en fait. Dans un 40 en longueur il n'y a pas de souci, hein, je, fais un, je fais un petit 40 en longueur, mais mon pied passera jamais dans une chaussure en 40, il faut que je prenne un 41 voire 42. Euh, surtout en été parce que je mes pieds gonflent, je fais de l'œdème euh, donc c'est pour ça que je fais 80 mailles pour les chaussettes en jacquard si je me tricote des chaussettes moi-même à la main je fais 72 mailles et là j'utilise le cylindre 64 mailles pour faire au tube parce que la machine elle a un tricot plus lâche que nous euh, que nous à la main ou en tout cas que moi et donc, je fais euh, 64 mailles avec le cylindre 64 mailles pour me faire un tube pour moi. Par contre, pour mes garçons, je pense que je vais faire la taille en dessous, le cylindre 60 mailles pour eux parce qu'ils ont des très grands pieds, mais ils sont pas larges. Ils sont pas. Alors, ils sont assez larges quand même. Chez Kaxul, il a un, un pied assez large, mais ils sont fins. Ils sont vraiment fins et ils ont des chevilles. Euh, C'est. Euh il n'y a que le, sur la cheville franchement il n'y a, a rien du tout ils sont extrêmement fins de la cheville ils ont un pied qui est assez fin en épaisseur comme ça là, en hauteur euh, donc je leur ferai un cylindre avec le cylindre en dessous en 60 mailles pour que ça soit plus serré parce que je pense que là ça sera un peu trop lâche mais pour moi, moi j'ai vraiment un pied épais et j'ai vraiment un fort coup de pied le cylindre 64 mailles qui correspond en gros à peu près à 72 mailles tricotées convient mieux voilà. Si jamais vous aviez des questions sur le, les cylindres, les tailles, tout ça, je vous donne mon avis à moi. Euh, de toute façon, c'est indiqué, hein, c'est très bien indiqué sur le site que en dessous de la jusqu'à 38 de pointure, vaut mieux prendre et un pied fin jusqu'à 38 de pointure, faut prendre le plus petit cylindre. Après, un pied classique, on va dire, c'est le cylindre du milieu, et après les pieds forts, euh, c'est le plus grand cylindre. Et j'ai un mini assorti avec euh, hop, du bruit des aiguilles aussi. Je l'avais commandé en même temps que j'avais pris ma, ma boulette. Donc il n'y a plus qu'à. Donc ça, ça. Ensuite, mon pull. Mon pull en jacquard que je teste pour Nadia. Il ne sera pas terminé. Non, pas du tout. Il <laughs> ah oui, hein, faut pas exagérer. Mais voilà où j'en suis. Donc je teste le modèle Anouk de Nadia de Nitz. Et j'ai terminé toute la partie jacquard. Regardez ça. J'aime beaucoup, c'est beau. J'aime bien ces couleurs, ça me change. J'avais pas, la... pas ça, donc euh, j'aime beaucoup. Bon, il aurait besoin d'un blocage, parce que vous voyez en plus le câble, il est petit, il est un peu tout fripé. Mais bon, c'est pas. Moi, je fais pas de blocage intermédiaire, je m'embête pas avec ça. Euh, je sais très bien que là, mon jacquard, de toute façon, si je tire un peu, hop, il se met bien, il est beau, il est lisse, donc je fais pas de souci au au lavage, ça sera bien. Donc j'en étais là, j'ai terminé tout le jacquard, j'ai fait les rangs raccourcis. Maintenant il me reste à tricoter jusqu'à avoir une certaine hauteur avant de séparer les manches du corps. C'est mon objectif de la semaine, séparer les manches du corps. Euh, comme ça, après j'aurai plus qu'à tricoter tout le corps. Là, pendant les fêtes, ça sera vraiment parfait. Et il sort euh, février, je crois, je vous ai dit. Et une fois que lui sera passé, j'aurai passé les manches. Euh, que j'aurai passé, ouais, que j'aurais séparé les manches du corps, que je serai sur le corps. Euh, je commencerai un autre pull parce que j'ai un autre euh, test de pull en jacquard. Et cette fois-ci, il pour Laetitia, même les anges tricote. Et donc je le commencerai une fois que celui-là, il aura déjà bien avancé. Euh, mais ce ne sera pas pour tout de suite, je vous en reparlerai. Donc euh, bah début janvier. Lui, je vous ai pas dit les laines de tout ce que je tricote Bon, vous les avez dans l'affiche Ravelry. Ah là vous n'avez pas l'affiche Euh... Là, c'est la crinque sous le wool. Ici, c'est de la baby alpaga de chez Langarne. Et là, c'est un mini euh, de chez euh, Teinture Lurie. Voilà. Voilà pour mes encours. Ah non, j'ai pas fini. C'est pas fini. Un dernier. Mon dernier encours. Et après, c'est bon. Ma couverture de reste de Stephen West. Hop, la euh, Jigsaw Puzzle Blanquette. Hop, je vous montre. Euh, je vous avais quitté, bah, j'avais fait ce triangle-là et bah, vous voyez, j'ai rien fait. Ce week-end, j'ai pas, pas, pas tricoté dessus. Voilà, j'ai l'impression que j'ai pas fait grand J'ai avancé un peu sur mon châle, mes chaussettes, mon jacquard. Des de, de petites avancées par-ci par-là, mais ça, je l'ai pas repris. Je vous l'avais dit, ces deux petits triangles, bah, ce seront mes deux petits triangles de la semaine. Comme ça, il n'y a pas trop à, à faire, ça ne me prendra pas trop de temps. Euh, donc si je ne me trompe pas, je dois avoir un premier triangle par ici quelque part. Donc ça, je le ferai pour mercredi. Voilà, ce sera mon petit objectif, c'est de faire les deux petites portions. C'est il y a deux petites sections, une de chaque côté en fait. Vous Voyez, là et là en fait par rapport à. Ah oui, voilà. C'est élégant, hein. <laughs> voilà, de chaque côté du triangle, il y a une petite section à faire. Je ne sais pas trop comment, mais euh, voilà, ça sera les deux à faire. Donc euh, il y en a. Hop. Là, je pense que je vais commencer par celui-là. C'est un reste de. De Didier au fil d'Orus, j'avais fait le petit châle, euh, les yeux dans le vague, quelque chose comme ça, avec un mohair. Ça faisait un châle à un écheveau avec du mohair. Et euh, voilà, le reste là, je pense que voilà ça va apporter une petite couleur que j'ai pas encore, un joli vert pistache avec des nuances de marron. J'aime beaucoup. J'aurais pu vous dire le nom du coloris. Il euh, faudrait retourner sur l'affiche Ravelry. Donc lui, ben, comme toujours, une petite section à chaque fois que je viens vous revoir, je viens vous revoir mercredi, mais ben, j'aurais fait une petite... C'est des petites sections, je sais que ça va aller vite. Euh, donc une section pour vendredi, je, mercredi et une autre pour vendredi. Voilà pour tous les cours en ce moment sur mes aiguilles. Mais bon, il va y avoir quand même pas mal de choses qui vont se terminer. On va passer au calendrier de alors, pour rappel, c'est celui de Pauline, de Bulbe Bizarre, 4 saisons à New York et on en est arrivé à l'automne. Le premier, donc, hop, le jour 16, le voici. Oh, que c'est beau. Je vous mets le nom du coloris. J'adore. Il est magnifique. Euh, on a terminé l'automne. C'est les trois. Là, je vous montre les trois derniers. Je vais pouvoir vous montrer la saison complète de l'automne. Ensuite, on a eu celui-là, Chelsea Market. Il est trop trop beau. Oh là là, j'adore. Avec des petites nu nuances de violet là. Et enfin, le dernier, c'était celui d'aujourd'hui, City Life. Alors, un très joli marron très foncé avec un peu des touches de noir, un peu des touches de marron ocre. Oh, que c'est beau. Donc là, c'était les trois euh, derniers qu'on a reçus dans le calendrier. si je vous montre tout. Et voilà, je vous montre les 6 de l'automne ensemble. Regardez-moi cette palette. J'adore. J'adore, j'adore. Ce, ce coloris-là, là. là euh... oh, j'aime beaucoup. J'adore. C'est super beau. Alors, j'aime beaucoup. Ça part du rouge vers le jaune pour aller vraiment dans le marron foncé. Oh, j'aime. Très différent des deux autres saisons. Là-bas, c'est là, bah, très l'automne. Tout ça, c'est. Oh ouais, j'adore. Voilà pour le calendrier de Pauline. J'ai pu ouvrir euh, également un paquet du calendrier de chez Artemis Yarn. Euh, puisque chez Artemis, moi j'ai pris celui avec les week-ends. Donc j'ouvre qu'un écheveau par week-end. Dedans, il y avait euh, ce petit goodies des petits marqueurs en forme d'arc-en-ciel sur un petit nuage. Ils sont vraiment trop, trop mignons. J'aime beaucoup. Et le coloris qu'on a reçu. Il est mais sublime. Oh là là, regardez-moi ça. Il est mais trop trop beau. Donc chez Artemis Yarns, son calendrier Iris. Le nom du coloris. Oh, regardez-moi ce rose avec les nuances. Oh, il est trop beau. J'adore. Hop, et je vous montre les trois ensemble. Oh là là, c'est beau. Ah, pas facile. Donc voilà les trois premiers week-ends. Donc il reste un week-end à ouvrir et celui du 25. C'est beau, franchement. J'aime beaucoup. Très frais, très clair, très printanier. Voilà. Voilà pour les calendriers de l'avant. Et voilà pour aujourd'hui. On a fait un petit peu le tour de tout. On se retrouve aujourd'hui je porte le pull Home Before Dark de Nadia de NCA Nits euh, voilà un pull qui existe en deux versions soit une version toute unie avec juste les des rayures dans les côtes, donc en colure bas des manches bas du pull et dans le même patron il y a aussi les explications pour faire euh, des euh, rayures color block euh, tout du long du, du pull. Ouais, moi j'ai fait la version unie avec juste les petites rayures euh, au niveau des côtes, je l'aime beaucoup. Il est super doux, il est vraiment très, ouais, très doux, doux, très confortable. Je l'avais tricoté avec les laines de Arco irisierne et du Mohair de chez Lang, euh, leur Mohair Lace. Et euh, non, j'aime énormément, super doux. D'ailleurs, c'est rigolo. Hier, je portais le pull Isild, e un modèle de Nadia également. Euh, vous savez, j'aime beaucoup son travail, j'ai beaucoup de ses vêtements dans ma garde-robe. Et donc, le pull de Isild, e je l'ai tricoté avec la Milky Way de By Night. Donc c'est une, une laine qui a des petites tuiles là, vous savez c'est avec des, Alors, je sais pas en fait vraiment ce que c'est mais on dirait des petits bouts de laine là euh, partout dans le fil, donc il y en a des blancs, des marrons, des noirs et ça donne euh, un côté chiné, ça donne un peu de relief puisque c'est vraiment euh, un peu en, en dehors du fil, enfin, c'est dans le fil, hein, c'est pris dedans mais euh, ça fait des petites boules autour du fil, c'est trop, c'est mignon, moi j'aime beaucoup l'effet. Mais hier j'avais une petite à bras, elle a 13 mois là actuellement, et je la vois se concentrer sur mon pull et faire ça avec ses doigts, donc c'est bien, on travaille sur la motricité fine, elle fait la pince avec ses doigts, c'est génial, mais je la vois essayer d'attraper un petit bout de tuide et essayer de tirer dessus du genre... Nous t'as une miette sur ton pull, je lui ai dit ah non 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 tu, tu touches plus. j'étais été contrariée. Alors après avec son doigt elle venait toucher tous les petits tweets, partout c'était trop rigolo. Et euh, mon homme était là, euh, il était déjà rentré et <laughs> il me dit mais elle te martyrise tes pulls. Je lui dis oui oui en plus elle elle martyrise mes pulls parce que dès qu'elle est à bras, elle vient attraper le pull comme ça, et euh, partout où je peux la poser, le lit, la table allangée, what, euh, j'ai beau la poser, elle est encore agrippée à moi, au pull, aux manches qu'ils sont un peu malmenés mais ouais, moi ça m'empêche vraiment pas je me dis pas parce que c'est la laine teinte main tout ça je vais pas vivre avec bah si je vis avec et franchement euh, voilà bah oui ils sont fort euh, compressés d'un coup mais après bah c'est tout euh, hop je fais ça et ça se remet bien mais ouais le coup des petites chouilles de là qu'elle essayait d'arracher sans mon puce je lui dis ah non 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 ça c'est pas possible donc après elle arrêtait pas de les toucher <laughs> c'était vraiment mignon enfin voilà c'était la petite anecdote euh, euh, du jour alors, euh, sinon, euh, donc je, je vous ai dit ce que j'ai porté. Dans les petites images avant, vous avez pu voir, j'ai reçu euh, un petit colis de laine de chez Langyarn. Je vais revenir après dessus, bon, tout de suite. Euh, D'ailleurs, je reçois pas mal de petites choses en ce moment, merci énormément. Je suis extrêmement gâtée euh, par plusieurs d'entre vous. Euh, je suis pas très touchée. Euh, je vous montre pas tout parce que voilà, j'ai reçu euh, des, déjà des petits cadeaux. Euh, c'est un petit peu Noël avant l'heure, c'est vraiment trop gentil et je vous montrerai au fur et à mesure que je vais les tricoter. Mais il y a déjà une pelote que je peux vous montrer tout de suite. Hop, parce que je pense que quand je reviendrai en vlog, elle sera tricotée. On m'a très gentiment offert cette pelote de chez Rico Design. Donc c'est la Superba Cashmere Luxury Socks. Ce très joli coloris arc-en-ciel. Ah, oh, j'adore! Franchement c'est super beau, c'est d'une douceur. Oh, c'est fou. Alors c'est euh, 65% de laine vierge, 25% polyamide et 10% cachemire. Donc c'est super doux. Euh, c'est très très rigolo les couleurs. J'aime beaucoup. Ça fait un joli dégradé. Donc à 400 mètres hein, pour 100 grammes, c'est comme si c'était un écheveau Et donc ça va être transformé en paire de chaussettes. Mon plus grand a déjà réclamé la paire de chaussettes avec cette pelote-là qui est superbe. Donc je vais le faire pendant les vacances donc euh, vous le verrez à la rentrée euh, euh, certainement déjà tricoté mais ouais, mon chéri mon plus grand l'a vu et m'a dit euh, euh, moi j'ai eu qu'une paire. Donc pour ceux qui ont peut-être pas suivi, j'avais voulu euh, alors c'était en prévision de Noël finalement j'ai après je m'étais dit c'était pour leur chaussettes de pour mettre dans leurs chaussettes de Saint-Nicolas. Euh, finalement, j'ai dû les offrir bien plus tôt mais je leur avais tricoté à chacun alors, à mon aîné, j'avais tricoté trois paires de chaussettes en secret, sans qu'il le sache. Et à mon deuxième, Noah, je lui avais tricoté deux paires. Alors, pourquoi mon plus grand en avait trois et mon deuxième deux C'est que déjà, à mon plus grand, à Axel, je lui avais fait une paire de sockets. Donc, j'avais fait les sockets roquettes de You to Learn. Il les adore. Elles tiennent super bien au pied, à sa cheville et tout. Franchement, il adore ce modèle-là. Euh, mais Noah, mon deuxième, il aime pas du tout les chaussettes courtes. Il voit pas l'intérêt des chaussettes courtes. S il met des chaussettes c'est pour avoir bien chaud partout, donc il en voulait pas. J'avais euh, tâtonné le terrain avant. Euh, clairement, il m'avait dit oh, jamais de la vie. Moi, je voudrais ça. Et c'était donc déjà arrivé que fin de l'été, mon plus grand, il m'a dit eh, "Mais maman, en fait, des soquettes tu sais pas entrer, tu peux pas en tricoter." Et je lui avais dit "Bah si." Il me dit, ah, "Bah si, moi, je voudrais bien ça." Donc comme je lui avais déjà fait sa paire de soquettes sans lui dire, celle-là, je lui avais offert. Je lui ai dit, bah écoute, j'avais prévu de te l'offrir un peu plus tard, mais j'ai une paire de soquettes pour toi. Donc, mon plus grand a eu cet été sa paire de soquettes qu'il adore, qu'il a beaucoup porté. Et après, au mois de novembre, il a commencé à faire bien froid. Ils m'ont ressorti leurs chaussettes tricotées qui commençaient à être juste usées. Et je me suis dit, bah c'est tout, je vais pas attendre la Saint-Nicolas le 6 décembre pour leur offrir leurs chaussettes. Je leur avais offert au mois de novembre. Donc, j'avais fait deux paires pour Noah. Il avait eu. Euh, ah, comment elle s'appelle Des chaussettes là, super hautes avec trois deux rayures dans les côtes en haut. Ah j'ai oublié ce modèle là. Un modèle gratuit que j'avais découvert chez Hello J'ai nice J'étais voir. Ce sont les José Paquin. Euh, non, non, le Monday Sock de José Paquin. Un modèle gratuit en français il me semble euh, vraiment très bien et j'aime beaucoup ça fait vraiment des chaussettes très hautes et j'aime bien le style de la chaussette donc à mes deux garçons j'aurais fait ça, une Monday sock et je leur ai fait les oh, ai oublié, les color palette sock de Laura Moura euh, chacun une paire Sauf que Axel en fait sa paire de Monday que je l'avais fait avec du fluo mais un beau fluo qui pète et il n'a pas aimé en fait pas du tout euh, donc celle là c'est mon chéri qui les a récupérées. donc il a eu une mon grand a finalement une paire de chaussettes hautes une paire de chaussettes courtes et Noah a eu deux paires de chaussettes hautes et donc là mon Axel me réclame une deuxième paire de chaussettes hautes il m'a dit moi ouais, mais moi au final j'en ai qu'une ce qui m'a ressorti les anciennes je lui avais tricoté les je sais plus là les dogs euh, de stone euh, de stone -heat. En, en, en sorte de des chaussettes en un cage à une sorte de tête de husky dessus et elles sont un peu justes au niveau du pied par contre on a constaté qu'Axel ne grandit plus a priori des pieds euh, des baskets qu'il a eues l'an dernier à Noël il arrive encore à les mettre là elles sont un peu justes donc euh, là il a commandé au père Noël une paire de baskets avec une taille au dessus une pointure au-dessus de celle de l'an dernier mais il a l'air de se stabiliser sur un 45-46, c'est bien c'est une bonne chose, voilà et là il a l'impression que lui il grandit plus, par contre Noah lui continue à grandir il a 3 ans de moins que son frère mais il a une pointure euh, au même âge en fait il a déjà une pointure plus élevée que son grand frère, donc lui je sais pas trop ce que ça va donner à la fin de la de sa croissance, on verra bien mais là ouais, nono lui il monte bien au 43-44 donc euh... En ayant 3 ans de moins, j'ai un peu peur de ce que ça va donner après. Mais on verra, on verra au fur et à mesure. Donc euh, quand Axel a vu la pelote, euh, bah, elle est super belle et il m'a dit, euh, dit ça, j'adore. Et il me dit, euh, bah moi j'ai euh, moi j'ai une paire de chaussettes en moins que Noah, euh, que, alors qu'il est assez courte en fait, hein, mais euh, il voudrait une autre paire de chaussettes longues, donc je vais lui faire celle-là. C'est super doux donc euh, merci encore à toi, je sais que tu passeras par là et tu te reconnaîtras donc voilà, ça c'était un cadeau euh, après chez Lang aussi, en final c'est un cadeau mais c'est plus dans le le, le le contexte du je suis, euh, comment ils appellent ça c'est leur blo blogger box qu'ils envoient à des blogueurs, des youtubeurs, tout ça euh, j'ai reçu j'ai donc reçu quelques pelotes pour découvrir leur future nouveauté donc il y a la Vaya il va donc sortir je pense et c'est euh, 74 cotons 16% laine et 10% yak c'est un fil chez, un peu chaînette vous allez voir c'est pas un fil euh, qui est euh, filé comme de la laine habituellement c'est super doux c'est très agréable en tout cas au toucher comme ça c'est super agréable ça a a priori une épaisseur fingering à 200 mètres pour 50 grammes Faudrait comparer l'échantillon Moi ça m'a l'air pas mal pour être de la fingering Et donc voilà j'ai eu ce très joli coloris J'aime beaucoup euh, Donc euh, ouais pourquoi pas à échantillonner pour voir pour faire des projets D'été de, ça peut être pas mal On a, on a de l'avance hein. Il y a également cet écheveau de Siempré Qui est teint à la main J'ai eu tout ce très joli violet Là aussi on est sur un fil Un peu euh, spécial on dirait une tresse. Je pense que vous voyez bien là. Et celui-ci, super doux aussi, il se compose de 62% de coton et alors, 38% de cupro. Et je ne sais pas du tout ce que c'est que la cupro. Alors, je suis en même temps sur euh, Google. C'est une fibre qui est obtenue par dissolution de la cellulose dans une liqueur lupro. Ammoniacal. Donc, c'est une fibre textile semi-synthétique produite à partir de cellulose de coton. Voilà, apparemment. Donc, la sienne préfile d'été aussi. Là, il y a 340 mètres pour 100 grammes. Le même échantillon que euh, la vaya avant. Sur l'étiquette, en tout cas. C'est pas mal. A voir aussi, à essayer euh, pour des tops d'été. Et le dernier fil que j'ai eu, il est tout doudou aussi. Euh, il s'agit de la Noël. Tellement d'actualité. Et là, on est sur 79% mérino extra fin et 21% nylon recyclé. Hop, et là, on a aussi un fil un peu chaînette. Euh, le vert, non, vous ne l'avez pas là. Moi, sur mon retour écran, il, est, il tire trop vers le bleu. Mais bon, je vois qu'après quand je suis sur l'ordinateur, j'ai pas non plus la même, euh, la même chose. Non, c'est un joli vert euh, euh, qui fait bien pour Noël. Et donc là, dedans, c est, c est, il y a 185 mètres pour 25 grammes. Ce qui revient à 740 mètres pour euh, 100 grammes. Alors là, vous voyez, ça, ce genre de fil-là, il faut absolument faire un échantillon. Parce qu'on ne peut pas faire le même prorata que... On ne peut pas le comparer à des fils fingering. Parce que nous, quand on parle de fingering, en fait, on parle souvent en généralement en fait c'est du mérino donc du mérino on a 400 mètres pour 100 grammes en moyenne environ euh, là au final c'est du alors c'est marqué laile vierge mais c'est marqué mérino extra fin mais il y a quand même 21% de nylon euh, je pense que le fait que ça soit filé euh... Formé de façon un peu étrange. Euh, là, il faut vraiment bien faire un échantillon pour voir. Il ne faut pas se fier à euh, le métrage en fait. Il faut vraiment bien faire un échantillon pour être sûr. Là, l'échantillon, il est différent des deux autres pelotes. Et là, ils me disent par exemple, pour un pull femme, il faut 200 grammes de fil ouais ça peut être ça, donc bref à avoir, à échantillonner pour voir alors ça j'en ai eu quatre pelotes quand même et je m'étais dit euh, je l'aurais bien vu dans un petit pull de Noël, un pull tout blanc avec un jacquard vert, avec des sapins des rennes ou autre, ça aurait pu être vachement sympa, j'aime beaucoup même vous l'avez trop, un peu trop bleu le vert c'est vraiment très joli donc voilà, ça c'était euh, bah, les nouveautés de chez euh, Languerne qui vont sortir tout bientôt alors maintenant bah, qu'on a fait un peu le tour de ça on va parler quand même tricot, j'ai Terminer mes chaussettes de Noël. Oui, oui, oui. Bah oui, finalement, comme j'ai un motif de moins que ce que je pensais faire, bah, j'ai ah, bon, fini plus tôt dans mon programme. Au lieu de la finir vendredi, bah, elle est finie aujourd'hui mercredi. Je vous montre, hop, la première chaussette. Donc là voici, pointe terminée. Ah, que c'est beau! Que c'est beau, que c'est beau. J'aime beaucoup. Franchement, j'ai adoré. Le... Les petits motifs sont vraiment sympas à tricoter. C'est, euh... ah, c'est beau. C'est franchement beau. Ouais, c'était chouette. C'était chouette à tricoter. Et voici la deuxième. Et alors là, vous allez pouvoir voir. <laughs> je n'ai pas eu assez de marron pour terminer ma chaussette. Alors justement, hein, euh, le marron, c'était la languerne, c'était la Jawal. Et comme je vous l'avais dit dans la pelote. Euh... Moi je me suis fiée c'est une pelote de 50 grammes. Pour moi, dans 50 grammes, il y a 210 mètres. Sauf que la pelote, elle fait pas 50 grammes. Il y a ça dedans. Et ça, euh, il est considéré que la bobine fait 5 grammes. Euh, c'est un fil de renfort, vous voyez, de la même couleur que la laine, pour renforcer soit le talon ou soit les pointes, en fonction de l'endroit où vous usez le plus votre chaussette. Et, euh, et c'est parce que, comme j'ai voulu faire mes deux chaussettes, en même temps, j'ai séparé mes deux, pe... j'ai séparé toutes mes pelotes en deux. J'ai donc pesé ma pelote et j'avais, me suis rendu compte que ma pelote, j'avais que 42 grammes de laine vraiment. Et je pensais que ça allait quand même passer. Alors, au final, heureusement déjà d'une part que j'ai fait un motif de moins, et parce que ben, ce n'est pas passé. Alors, pourquoi l'une est terminée et pas l'autre, c'est que euh, quand j'avais voulu séparer, euh, j'avais mal fait mon calcul puisque dans la pelote il y avait le il y avait ça dedans. Et euh, je, je, je sais plus, je sais que j'avais pas bien... J'ai pas bien séparé ma pelote en deux. Euh, je sais plus que pourquoi, mais je sais que j'avais une pelote un peu plus grosse qu'une autre. Donc il y en a pour une où j'ai eu vraiment juste assez ce qu'il fallait pour finir ma pointe vers le crafting. Et l'autre, il a manqué et j'ai donc terminé avec le rouge. Bon bah. Pff. Voilà, je me dis le début il est rouge, la fin rouges, est rouge, c'est des chaussettes pour moi, c'est des chaussettes que je vais porter à la maison ou si je vais devoir elles seront dans des chaussures, ça se verra pas, donc c'est pas grave. Mais à tenir en compte, la jaw, ben, il faut prendre en compte qu'il n'y a pas 50 grammes dans une pelote. Au niveau du reste, le blanc et le rouge, il m'en reste... il m'en reste pas mal. Euh, hop, je vais essayer de retrouver tout ça. Alors vous voyez, du rouge, il me reste tout ça. Et du blanc, hop. Il me reste tout ça. Donc je vais peser hein, sur ma fiche Rabellerie, vous reverrez tous les détails du poids de la laine. Euh, voilà, le reste, le rouge et le blanc, c'est passé sans problème dans 50 grammes, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai rentré tous les fils, mais ils ne sont pas coupés, je vais les laver, les mettre à sécher, puis une fois que euh, tout sera sec, je viendrai couper euh, les fils. Mais ça y est, elles sont euh, terminées, je suis contente. Franchement, un chouette modèle euh, à tricoter. Hop j'ai bien fait de faire suivre le fil parce que je vous avais dit, à ce niveau-là, je l'avais coupé, mon fil rouge, alors ça, ça a fait encore plus de fil à rentrer. C'est un peu dommage. Ici, je l'ai fait suivre, vous voyez. Hop, il suit un petit peu partout. Et euh, bah ça a fait moins de fil à rentrer, c'est quand même mieux. Mais voilà, donc l'envers du, du décor. Et j'ai jamais croisé mes fils, même quand il y avait des endroits où euh, c'est sur 8 mailles, en fait, le motif est que sur 8 mailles, donc il y a des fois où on avait une maille d'une couleur, les sept hautes mailles sont d'une autre couleur. Bah, j'ai tiré mon fil sur les sept mailles derrière, j'ai pas j'ai pas cherché à croiser mes fils ou autre et elles me vont bien. Donc euh, franchement, un chouette modèle de d'un, euh, disponible en français. Je sais pas s'il si est en anglais, mais en tout cas en français, il y est. Euh, ouais non, très sympa. Ce sont mes premières chaussettes tout en jacquard, il n'y a pas de souci, ça passe bien. J'ai fait 80 mailles, alors euh, 80 mailles à tricoter sur toute la chaussette, ça n'a pas été un problème. Euh, par contre, faire une, une pointe où on part de 80 mailles et où il faut tout réduire, euh, elle m'a paru longue la pointe. Hein. Surtout que je voyais que ma pelote a diminué énormément et tout, donc euh, un peu peur de manquer de laine, même pour euh, celle-ci. Euh, J'avoue que ouais c'était long, c'était euh, franchement long. En fait j'ai fait cette pointe là quand j'ai vu que j'étais au bout de mon marron, bah, j'ai été faire la deuxième pour voir si j'avais un reste que j'aurais pu passer là. Mais euh, non, bah, j'ai fait toute ma pointe, j'ai fini donc là j'ai pris le rouge. Euh, donc là 80 mailles ça m'a paru long, surtout que juste avant hum, hop, elles sont là, j'ai fait des pointes, j'avais fait les pointes de mon tube. Ah je vous l'ai mis en photo en vidéo avant, j'ai coupé mon tube en deux. Et voilà, j'ai fait mes pointes là euh, sur 64 mailles. Ça a été euh, quand même beaucoup plus rapide. Alors elles sont plus. Au final, je crois que euh, j'ai le même euh, nombre de mailles à la fin. Euh, mais vous voyez, ça fait pas... Ouais. Vous voyez quand on compare, là il et bah, et, y a quand même beaucoup moins de mailles. Hein. Là j'avais que 64 mailles. Là j'en avais 80. Donc ça fait vraiment des, des pointes euh, vraiment différentes. Et oui, donc mon tube. Euh, bah j'ai fait mes pointes des deux côtés. Hop, je vous l'avais dit, hein, comme je voudrais euh, utiliser juste mon mini, avoir assez de laine, je vais faire les pointes. Je vais faire les talons de mes deux chaussettes et ensuite je viendrai faire les côtes avec ce qui me reste. Donc j'ai fait mes deux pointes, j'ai repéré le milieu, je suis venue couper. Hop, pour l'instant j'ai mis mes mailles en attente sur mon fil. J'ai marqué où je dois couper pour le talon. Il ne me restera plus qu'à couper pour le talon. Donc voilà, j'avance tranquillement. Je suis contente, j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà. Euh, je suis pas sûre d'avoir beaucoup avancé dessus cette semaine. Je vais voir, je voudrais avancer sur autre chose. Mais euh, ouais, mes chaussettes avancent tranquillement. Et je fais un tube à la fois. Je veux pas euh, me faire plein de tubes et puis après me dire euh, je vais tricoter plein de pointes, plein de talons et plein de cotes. Non, je fais un tube, je fais une paire, mais petites, parce que sinon je sais que je risque de cumuler beaucoup de tubes. Parce que faire des tubes, ça va vite. Hein. C'est rigolo, c'est fun, c'est rapide. Euh, mais si après euh, je vais avoir plein de tubes et j'aurai pas la motivation. Donc euh, je me fais un tube, une paire de chaussettes, un tube, une paire de chaussettes et comme ça ça avance bien. Voilà, niveau chaussettes, on est bon. Autre tricot qui a bien avancé et que j'espère revenir vous montrer au fini, mais bon, il n'y a pas de raison. C'est mon châle Iris, ma deuxième version. Ah, j'essaye de. C'est tout embellé. Hop. J'arrive au bout. Alors, je vous l'ai montré lundi, j'en étais ah bah, juste là. Et vous voyez, hop, 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 cette partie-là, elle diminue, elle diminue, elle diminue. Et on a l'arrête centrale qui arrive là, bientôt sur le bord du châle. Vous voyez, il ne me reste plus grand-chose. L'arête elle est là, il reste que quelques mailles, donc encore quelques rangs et je rabats et ça sera bon. Et il aura toute une aussi bonne longueur. Je vous l'avais dit, à hein, la première version j'avais tricoté avec des aiguilles 4, là je suis en 3,5 pour être sûre que ça passe bien. Euh, C'est le choix qu'a fait Odile de passer en 3,5 pour être sûr que tout le monde puisse bien le tricoter dans un de 100 grammes et un mini de 20 grammes. Mais vous voyez, il a déjà une super bonne longueur. Si je fais comme ça, euh, hop Voilà, vous voyez, il n'y a pas de problème, ça reste un grand chalon. Ça va être nickel. Donc voilà mon chat Iris, quelques rangs et il sera terminé. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup les couleurs. Hein. Je vous l'avais déjà dit, mais oh, ces couleurs de Garance et compagnie, j'aime énormément. Et enfin mon crochet. Hop, mon petit renne. Il a continué d'avancer. Alors il a son museau, son nez, son museau. Alors voilà. Alors là on est dans l'étape où il faut tout coudre et euh, c'est la partie la plus compliquée pour essayer de centrer les choses, que ça soit pas trop mal. C'est pas évident. Et il a son ventre. Alors, le ventre, il était dit de faire la partie blanche et de venir. Alors, c'est la dernière étape dans les assemblages, c'est de venir coudre. Moi, l'idée de coudre, j'aimais pas trop parce que je voulais être sûre que ça soit bien solide. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue le crocheter en fait tout du long. Donc je reprenais, je passais mon crochet dans les parties euh, du corps et je faisais des mailles serrées. Alors ça fait une, une couture qui est visible, hein, ça fait une maille euh, qui est visible tout autour, mais je suis sûre que c'est solide. Je trouve que vu comme ça, c'est pas choquant. Non, je trouve pas ça non plus choquant visuellement. Et au moins je sais que c'est bien solide et que ça, ça va pas tomber ou quoi que ce soit. Alors c'est sûr, c'est même pas, c'est pas une peluche qui est vouée à être utilisée comme jouet ou autre. Mais euh, j'ai tiré sur le fil, je l'ai fait sortir en fait, hein, avant que je le remette dedans. Mais euh, je voudrais quand même être sûre que dans le temps euh, ça tienne bien et tout. Euh, donc euh, ouais, j'ai préféré le crocheter. Donc il ne me reste plus que les oreilles, les bois et à broder euh, le nez, les yeux. Et il sera terminé. Puis à rentrer les fils, hein, vous voyez, je ne suis pas encore rentré celui-là. Je viens de tirer sur un petit bout, en fait, c'est des... le début du fil ici euh, que j'avais euh, laissé caché dans la pâte. Je viens de l'enlever. Enfin, c'est pas grave. Donc voilà mes petites avancées. J'ai pas avancé sur mon pull à nook, parce que parce bah, on peut pas tout faire en même temps. Et, euh, et puis bah, c'est déjà pas mal aujourd'hui. On se retrouve vendredi. Non, on se retrouve tout de suite parce que je me suis rendu compte, je vous ai pas montré le calendrier l'avant. Les deux premiers jours de l'hiver du calendrier de Pauline Bizarre. Donc ce. Hop, le premier coloris c'est celui-ci. Foggy. Un très joli, alors j'aurais même pas les... euh, très joli mini foncé. <laughs> il y a des touches de bleu, de noir, marron, là un peu plus ocre. Oh, il est vraiment très joli, très joli coloris. J'aime beaucoup. Et le suivant, hop, on a eu donc c'est celui d'aujourd'hui, c'est Winter Wonderland. Et c'est un très joli bleu nuancé comme ça. Super beau. Je ne m'attendais pas à ça parce que je, je trouve que les deux, euh, ils tranchent beaucoup euh, l'un avec l'autre. Donc c'est vrai que je ne m'attendais pas à passer tout de suite à un bleu euh, qui fasse aussi euh, hiver en fait. Mais voilà, euh, ouais, c'est deux coloris vraiment très très jolis. J'ai hâte de voir ce qu'elles nous réserve pour le, le reste de l'hiver. Donc quand je reviendrai vendredi... Euh, vous aurez les deux autres de l'hiver et vous manquera encore les deux mini de l'hiver plus les chevaux du 25 que vous aurez euh, dans les prochains vlogs euh, en début d'année 2024. Et voilà en tout cas pour les deux premiers, j'avais oublié de vous les montrer aujourd'hui. On se retrouve pour la fin de ce vlog et nous sommes jeudi. Je vous avais dit que je reviendrai vendredi, hein, comme toutes les semaines, euh, j'essaye de venir trois fois dans la semaine. Euh, comme ça, c'est pas trop redondant, ça me fait euh, un peu moins de montage aussi. Euh, donc euh, voilà, j'ai un peu plus de temps finalement pour faire autre chose. Donc, euh, puis ça va être un format qui vous convenait bien. Mais là aujourd'hui, bah, je suis revenue un jour plus tôt parce que je ne reviendrai pas donc demain vendredi. C'est l'anniversaire de mon homme et tout le temps libre que je vais pouvoir avoir. Je vais ni tricoter, ni filmer, ni faire du montage. Euh, demain, c'est la tâche gâteau, gâteau, petit biscuit, petit sablé de Noël. Euh, voilà. Avant de faire tout le reste samedi, parce qu'on fêtera donc son anniversaire samedi, le 23. Ah, je suis contente. <laughs> On va réenchaîner avec Noël et tout. Enfin bref, donc demain en fait j'aurai vraiment pas le temps. Et aujourd'hui j'avais assez de contenu à vous montrer. Donc je me suis dit que j'allais revenir aujourd'hui pour clôturer ce vlog. Aujourd'hui je porte le pull French Coast de Badonna de Encore une fois que j'avais tricoté avec, avec des laines de chez Arco Irisian Il n'y a pas de nom de coloris, ça faisait partie d'un lot Frankenstein. Euh, C'est les lots qu'elle fait au niveau de bah, d'Halloween. Et euh, j'avais pris ces échevaux là, donc on voit que celui-là il est plus clair que le reste. Mais euh, moi c'était sur les manches et j'ai pas trouvé ça choquant. Comme en plus c'était des épaules tombantes, on relevait les mailles. C'est pas dans la même, c'est pas dans la continuité. Vous voyez le tricot il est pas dans le même sens. Bref ça me choque pas du tout. J'aime beaucoup. Le French Coast était présenté avec des rayures, mais on, le fait, on peut le faire tout uni. Moi j'avais choisi de le faire uni. J'aime beaucoup cette encolure en V là. Ouais, voilà, voilà pour ce que je portais. Alors, j'ai pas eu le temps de filmer des petits morceaux de vie entre les deux, entre hier et aujourd'hui. Euh, voilà, vous êtes passé de mercredi à jeudi comme ça. Bon, c'est pas grave, on se rattrapera au prochain vlog. Alors, euh, bah, ça fait qu'on va commencer par le calendrier de l'avant. Je, bah, j'ai ouvert qu'un seul jour hein, depuis, depuis, hier. Donc je vous montre aujourd'hui, c'était beau. Oh, je sais pas dire, beau bridge. Je vous montre le nom. Hop. Et voilà la couleur. Un très beau bleu avec des nuances de violet. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup beaucoup. C'est vraiment très beau. Et je vous montre les trois ensemble. Voilà ce que ça donne. Donc, je suis pas surprise, je m'attendais bien à du bleu pour, pour l'hiver, hein, ça me paraissait bien logique. Ils sont assez différents tous. Mais ouais, j'aime beaucoup. Très joli. Donc, bah, vous aurez la fin du. Bah, vous pouvez découvrir. Hein, je vous l'avais dit sur Instagram, vous, vous vous pourrez découvrir la fin du calendrier. Moi, je vous le remontrerai au complet euh, début euh, début janvier. Alors, sinon, donc au niveau du. Oh, je vais vous parler crochet. Euh, je reviens avec un petit renne terminé. Ah là, voilà mon renne. Alors, je vous l'avais montré. Il avait tout le museau, mais j'ai fait les bois. Voilà. Alors c'est simple parce qu'en fait il faut pas. Des bois d'un cerf c'est pas parfait. Donc en fait ils ont pas besoin d'être parfaits. Et je trouve que ça rend super bien. Les petites oreilles. Et j'ai brodé son museau et ses yeux. Alors moi les yeux se voient pas énormément puisque comme j'ai pas eu assez de marron clair j'ai fait marron foncé. Et donc les yeux sur, noirs sur le marron foncé se voient pas énormément. Mais euh, voilà, je suis vraiment contente. Je trouve que finalement d'avoir le marron foncé sur le haut de la tête c'est pas choquant. J'ai vraiment mis les oreilles à la limite entre les deux, le nez fait aussi en transition entre les deux. Donc voilà, j'ai mis le petit ruban rouge pour l'accrocher au sapin et je suis contente parce que vous voyez, il est bien droit en fait, il penche pas d'un côté ou autre. Voilà, il est bien équilibré. Il peut tenir debout parce qu'il a les jambes fort écartées. Alors, eux sur leur, la photo de la boîte, il a les jambes bien droites, euh, ils ont réussi à faire tout en marron clair parce que même les oreilles sont censées être marron clair, bon, bah le mien c'est le mien il est différent mais il est très beau donc je suis contente voilà, il va rejoindre le, le sapin de Noël, je vais pouvoir l'accrocher aujourd'hui donc encore un grand merci à toi Sandy pour ce joli cadeau à mon anniversaire et il est fait voilà c'était le premier objet terminé Deuxième objet j'ai terminé, mais vous le saviez déjà, c'était donc ma paire de chaussettes. Mais elles ont. J'ai eu le temps de les laver, de les sécher depuis hier. Et voilà ce que ça donne. Oui, donc là, la première qui n'est pas. <laughs> qui est. Voilà, la deuxième qui a. Le, la première qui n'était donc pas finie en marron, la deuxième qui passe tout en marron. Donc voilà ce que ça donne. Je suis vraiment contente, elles sont super belles. Un très beau modèle. Euh, ouais. Alors, franchement, avec toute façon lissant ourdin c'est une valeur sûre au niveau des patrons. Ouais. C'est bien expliqué, je trouve ça clair et tout, c'est chouette. Je suis vraiment contente. Donc voilà pour mes chaussettes de Noël. Mon petit projet de l'avant, c'était un petit projet pour cette année, mais ça convenait finalement à ma fatigue du moment, à mon énergie, à l'envie que j'avais de faire. Euh, non, c'était bien, c'était parfait. Et puis voilà, c'était un petit projet où vraiment zéro pression qui se tenait facilement tout le long de l'avant. L'an dernier, c'était ma couverture de Noël. Ça avait été quand même à un rythme bien soutenu de la tricoter en, en 24 jours. Donc là, je suis... Voilà, cette année, c'était plus light. Autre ouvrage terminé. Mon chat iris. Le voici donc je sais plus euh, je vous l'avais montré j'avais bien avancé oui j'étais bien avancé dans la dernière section bon bah j'ai fini ma section j'ai rabattu mes, mes mailles et donc voilà la bête donc lui par contre je dois encore le laver le laver le bloquer mais euh, ça y est il est terminé donc j'ai eu largement assez de laine je vous ai mis les quantités exactes sur ma fiche ravelry. Mais je peux vous montrer voilà ce qui me reste donc en utilisant des aiguilles 4 mm, j'avais vraiment été jusqu'au bout de ma laine. C'était un peu tendu, c'était... voilà. Là en 3,5 je suis large, j'ai pas mal de reste, c'est bon. Euh, à refaire je le ferai en 3,75, voilà, entre les deux. Moi parce que j'ai pu tester avec ma tension, tout ça, je sais qu'en 3,75 ça passerait. Euh, je parle de le refaire parce que je pense que je le referai. Quand j'aurai des écheveaux que je sais pas dans quoi mettre et tout, et ben ce petit modèle là de châle il est parfait et puis même à offrir en fait à offrir à quelqu'un vous euh, voyez hop il est super bien il se met bien en place et tout c'est vraiment en pile la bonne longueur oh, moi je vraiment conquise vraiment euh, très très conquise par ce modèle là de toute façon pour que je le fasse euh, deux fois d'affilée c'est vraiment que voilà c'était le top du top parce que je fais rarement deux fois le même modèle sauf quand c'est pour euh, mes garçons voilà, je vais faire deux fois toujours les mêmes paires de chaussettes, et puis bon, des chaussettes ça reste des chaussettes quand même, hein. mais euh, ouais, non, là, voilà, deux fois le même modèle pour moi. Parce que les filles, elles l'ont, parce qu'on était donc euh, à trois à le tester, il y a des filles qui l'ont fait en cadeau, non, non, moi je suis très, assez égoïste, euh, j'aimais trop cette laine là pour que je l'offre. Je mais euh, peut-être qu'à l'avenir, oui, j'offrirai à nouveau des châles, euh, euh, des petits châles comme ça, c'est fort sympathique. Donc mon châle il risque, bah là pendant mes vacances je vais laver quand même pour que bah, il soit bien beau, bien lisse. Mais en soi il n'en a pas vraiment besoin. Euh, il a pas... Alors après il a un potentiel voilà, hein, de s'allonger, mais euh, il a déjà une assez bonne longueur. Vous voyez, hein, tout est en point mousse donc il se fait bien. Accessible aux débutants, vraiment simple. Enfin, je suis vraiment contente, j'aime beaucoup. Donc avec les laines de chez Garance et compagnie. D'ailleurs j'ai reçu le kit... Euh, du mois de décembre, je vous en parle à la fin de la vidéo si jamais vous ne l'avez pas reçu et que vous ne voulez pas être spoilé. Vous, alors Ensuite, j'ai ma couverture de rêve. Je ne vous l'avais pas remontré euh, bah hier. Alors, j'avais fait ma section. Mais je vais vous montrer. J'ai fini la deuxième section de la semaine. C'est pour ça que je pouvais vraiment revenir aujourd'hui. Euh, j'ai bien avancé hier. Alors, je vous parlais, euh, oui, il fallait faire des triangles. Pas du tout. <laughs> Les, euh, on faisait deux sections à côté du grand triangle, mais on faisait euh, des parallélogrammes. Donc voilà le, alors le... premier en plus c'était celui-là. Je vous avais dit je le faisais avec la laine de Ophildorus de, de Didier. Donc un premier reste ici. Donc c'était les mailles qu'on avait laissé en attente sur ce grand rectangle. Et on est venu faire voilà, ce rectangle-là. Hop. Tout en se raccrochant au triangle. Et là, ici en bas, si je ne me trompe pas, vous voyez là c'est le bas de la couverture. On a un côté de couverture. Donc de ce côté-là, ça ne changera plus. Si ce n'est qu'il y a un i-cord final tout autour du... De la, de la couverture je verrai si je le fais ah bah quoi que, bah si il nous oblige à le faire parce que là les mailles elles sont laissées en attente et elles seront jamais rabattues donc il euh, n'y aura pas le choix et après on vient faire à ce, de ce, à ce niveau là euh, et là c'est la garance et compagnie à nouveau c'est euh, le reste de mon mademoiselle Kate et la prochaine section ça sera le triangle qui est là hop là, on viendra faire ce triangle là et on aura un coin euh, là aussi c'est la bordure. Oui, bon bref, ça fait le coin. Là, ça sera un coin de la couverture. Donc de ce côté-là, euh, c'est un coin qui est terminé. Voilà, à ce niveau-là, on ne reprendra pas. Et après, bah, je sais pas trop où on repend. Parce que j'ai euh, toute cette partie-là. Ici, j'ai encore des mailles en attente, mais depuis longtemps hein, qu'elles sont en attente, euh, on a ce côté-là sur lequel on peut tricoter aussi. Enfin, bref. Donc euh, si, si j'essaie de vous montrer avec un peu de recul... Voilà ma couverture, un peu ce qu'elle donne en ce moment. Ça ressemble à rien. Hein. Mais c'est ça qui est rigolo. Ça fait que ça parte... Oui, je suis repartie à faire des vignettes. Je prends une image rigolote dans la vidéo. <laughs> je refais des... des arrêts sur image pour avoir ma vignette. Euh, donc je vous disais, c'est ce qui est rigolo, c'est que voilà, on part un peu dans tous les sens. C'est fun. Ouais, c'est... À chaque fois, chaque section, elle est assez différente. Même si là, bah, au final, c'était les deux mêmes sections, mais comme elles ne sont pas dans le même sens, on ne faisait pas les augmentations, diminutions de la même façon. Puis bon, c'était rapide, on change de couleur, donc c'était sympa. Donc elle, elle va avancer un petit peu pendant mes vacances, je pense. Bon, un coup de temps en temps, ça sera chouette de la prendre. Et euh, vous la reverrez euh, début janvier, euh, un petit peu avancée, je pense. Donc là, j'en étais à la section 13, il me semble. Sur 47, il y a de la marge, elle n'est pas là d'être finie. Ce qui sera fini pendant mes congés, c'est mes chaussettes que j'ai fait à partir du tube. Alors, j'ai pas avancé, juste ce que je vous montre, c'est que j'ai ouvert une chaussette, vous voyez, pour faire le talon. Alors, donc sur les chaussettes en... qu'on fait en tube, hein, euh, on fait un talon après coup. Voilà, comme il porte son nom, on fait après. Euh, donc il, il y a plein de tutos sur internet. Hein, vous trouverez des vidéos. Vous allez vous taper euh, talon après coup ou même talon à partir d'un tube. Vous trouverez euh, plein de vidéos. Et donc en fait j'ai juste fait l'ouverture bah, pour vous le montrer. Hop. Donc maintenant je vais venir tricoter mon talon à ce niveau-là. Et puis euh, voilà. Donc on mesure en fait le, la distance depuis la pointe pour savoir euh, où on place son talon. Je me suis servi du livre tricoter. Toutes toutes tricoter toutes les chaussettes, tricoter ces chaussettes, toutes les techniques. Euh, dans le livre, il y a dedans le, des patrons de modèles avec un, un talon après-coup et donc il y a les explications. Bon, je me suis servie de ça pour savoir euh, à quelle distance euh, mettre mon talon euh, par rapport à ma pointe, euh, par rapport à ma longueur de pied à moi personnelle. Donc, euh, bon, vous voyez, j'ai pas avancé dessus, hein, je peux pas tout faire, mais euh, ça, ça sera pas pendant les vacances, euh, le programme. Terminer ma petite paire de chaussettes. Faite à partir de la machine hoc euh, Et enfin, hop, le dernier ouvrage, mon pull à nous qui va être mon tricot principal durant ces vacances. J'ai euh, fini la hauteur recommandée, la demandée par Nadia euh, avant de séparer les manches du corps. Donc il me restera plus qu'à. Voilà, c'est la prochaine étape séparer les manches du corps, dérouler tout le corps, faire les manches. Lui, vous ne le reverrez pas avant sa sortie, je pense. Ça va être mon tricot, je pense, principal des vacances. Et vous le reverrez à sa sortie. Je pense essayer de donner quelques nouvelles sur Insta, d'essayer d'être un peu plus actif sur Insta. J'ai essayé le nouveau truc d'Instagram qui ressemble à Twitter. Sred, Sred, Enfin bref. C'est pas mon truc. J'aimais déjà pas Twitter avant. Bon, j'ai fait mon mouton, j'ai essayé j'aime pas moi j'aime bien euh, avec des photos j'aime beaucoup euh, et c'est vrai que des fois je le fais pas j'aime bien les stories instagram en fait euh, un instant vif hop euh, prendre en photo montrer alors je le fais pas parce que j'ai pas en fait souvent mon téléphone sous la main parce que je peux pas montrer le visage de mes petits loulous que j'accueille et tout donc c'est vrai que mais c'est quelque chose que je préfère faire euh, faire des stories j'aime bien ce qui me rebute aussi parfois de faire des stories, c'est que euh, je sais que beaucoup qui regardent les vlogs n'aiment pas être spoilés dès que, euh, avant. Ouais, vous aimez beaucoup découvrir le vlog le dimanche. Je pense surtout à Justine, ma petite mercerie. Euh, limite, je me fais disputer si je viens hein, tricoter le samedi de quelque chose qu'elle n'a pas vu avant en, euh, en vidéo. <laughs> elle aime pas, elle aime pas, elle aime bien le dimanche euh, découvrir la vidéo et découvrir mes tricots à ce moment-là. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui aiment ça. Donc c'est vrai que je... Spoil je ne partage pas en, en instantané sur Instagram puisque ben, je sais qu'il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis en dessous. Euh, si est-ce que du partage spontané sur Instagram, donc vous faisant découvrir les avancées de mes tricots avant le vlog du dimanche, est-ce embêtant ou non Voilà, c'est pour ça que je ne le fais pas trop et euh, parce que euh, je voulais pas spoiler. Mais je veux bien avoir votre retour. On ne sait jamais. Voilà, donc ça, on a fait le tour pour les pour les tricots. Donc le gilet, le pull à nous qui va avancer, ma petite couverture de reste, ma petite paire de chaussettes que j'ai en ce moment sur mes aiguilles, ça me paraît bien là pour les vacances. Parce que j'ai fait le tour. Oui, j'ai fini, fini mes chaussettes, j'ai fini mon crochet. J'ai du crochet à faire. J'avais une licorne que j'avais achetée avec le fil chenille. Il euh, faut vraiment que je la fasse aller dans la boîte. Elle attend. Mais voilà. Donc on est arrivé au bout de cette vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai reçu de chez Garance et compagnie, le coffret que j'avais acheté au mois de novembre, qu'on a reçu là. Si vous voulez pas le voir parce que vous ne l'avez pas encore reçu ou que euh, voilà, il sera peut-être sous le sapin ou autre pour vous, euh, ben, je vous laisse là et je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouvera donc en début janvier euh, dans des nouveaux vlogs. Et ben pour tous ceux qui veulent savoir on continue un petit peu ensemble. Alors je vous montre le mood board du kit de ce mois-ci. Le voici, ce magnifique bouquet du rouge, du beige, du vert. Euh, je... À première vue, ce c'était pas mes couleurs. Moi, je m'étais beaucoup arrêtée sur rouge et vert, <laughs> et je me suis dit euh, peut-être que ça va pas me correspondre. Et dans la, dans le, la plus, dans les... la description, elle avait marqué que. Euh, L'accessoire, parce que donc dans le coffret, je ne sais plus, je ne saurais jamais. Je crois qu'il y a un coffret le mademoiselle c'est 50 grammes et un mini, et le madame c'est 100 grammes et deux mini, et il y a un goodies avec, et des gourmandises. Ah, les gourmandises, je les ai mangées, cherchez pas, il n'y en a plus. Euh, elles n'ont pas survécu depuis hier. <laughs> elles elles n'existent plus. C'était des petits bonbons. Euh... Il n'y a plus. Euh, et donc euh, là, le, en plus, l'accessoire, on savait qu'il venait de chez Mademoiselle Pluche. Et c'est ce qui m'a fait pencher. Je me suis dit Ah oh, J'ai envie de voir ce que c'est. Euh, J'avais un peu peur parce que je ne suis pas non plus très rouge. Je ne savais pas trop. Et j'ai bien fait de craquer parce que c'est bien dans mes couleurs. J'aime énormément. Je vous montre. Voilà le kit reçu. Donc, comme les deux premières fois, j'ai pris la version sans Madame. Donc, 100 grammes avec. Euh, avec deux mini. Et vous voyez les chevaux pleins. Ben, en fait, il n'est pas dans les tons rouges. On, a, on est vraiment en fait, sur les trois premières couleurs du borne ici. Hop, hop, hop. Donc, euh, de l'écru, du beige, du marron, des speckles verts, des speckles rouges, qui rappellent bien aussi hein, le reste. Et les deux mini, un rouge, un vert. Voilà. Donc, là, c'est le kit élégance. Et euh, je sais. Ah oui, alors ils sont dessus. Elle a mis. les. Ah, hop. Elle a mis. Donc là, on a le coloris paprika. Et parce que maintenant, elle met les noms des des mini pour qu'on puisse en fait les retrouver. Et jardin secret pour le vert. Donc vous pouvez en fait retrouver les couleurs pleines dans son nuancier. Il me semble maintenant que vous pouvez les commander. Je vous l'avais dit avec mon chaliris iris. Hein, le coloris ébène que j'ai utilisé, vous pouvez le lui commander. C'est vraiment super beau, j'aime beaucoup. Ah là, c'est... Ouais, j'adore ces couleurs-là. Ça ferait un beau châle iris, hein. Non, mais je vais arrêter là. Euh, J'ai fait deux iris coup sur coup, c'est bon. J'en referai certainement plus tard, mais là, tout de suite, alors je sais pas ce que je vais en faire. Euh, Peut-être des chaussettes. Je pense que j'aimerais bien. Je me dis bien, une paire de chaussettes... Euh, une chaussette avec les bouts... Euh, les les bouts euh, rouges talons en côte et pointe rouge et l'autre chaussette avec le vert je trouve que ça serait rigolo mais euh, à voir c'est vraiment super beau j'aime beaucoup son travail donc voilà ça c'était pour Garance et compagnie donc il y avait aussi des bonbons que j'ai mangé et je vous montre le petit anneau marqueur il est vraiment super beau et le voici j'adore un écheveau de laine avec des fleurs puis des petites branches de sapin et voyez, moi même derrière, c'est avec son logo, le logo de Solène, de Mademoiselle Pluche, la petite carte, de, même la petite carte derrière, elle est vraiment belle. Et voilà la marqueur no marker, donc super beau, vraiment contente, hyper en fait au final assorti, parce qu'on a la petite touche de rouge, de vert, de beige, enfin, comme sur le kit quoi. Franchement top, euh, ouais vraiment très, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ces kits, ils sont super bien faits, bien pensés, les couleurs, son travail j'aime beaucoup. Une belle découverte Garance et Compagnie cette année. Quand est-ce qu'on l'avait vu la première fois Ah, vous dis bazar euh, l'année d'avant. Ouais, c'est là que j'avais acheté mes deux échevaux que j'ai utilisés pour mon Mademoiselle Kate. Voilà, enfin on est arrivé au bout de cette vidéo. Merci, merci beaucoup. Alors je vais en profiter, c'est la fin de l'année pour vous remercier encore une fois ben, pour tout, d'être là, d'avoir été là tout le long de l'année, de m'avoir soutenu m'avoir euh, dans les moments qui sont un peu difficiles hein, on avait eu cette année les inondations tout ça vous avez été plusieurs à vous inquiéter à de nous demander des nouvelles vous vous souciez de de mes garçons de mon chéri donc euh, merci énormément d'ailleurs au niveau de sa santé ça va beaucoup mieux euh, il est encore sous traitement mais euh, doucement mais sûrement on arrive au bout donc euh, voilà vraiment très contente euh, on croise les doigts pour que la santé aille bien en, en 2024 et que tout aille pour le mieux. Mais donc un grand merci à vous pour... Pour tout, d'être là, d'être là un peu plus nombreux à chaque fois, de tous vos commentaires, de tous vos gentils messages. Énorme, un grand, grand merci à tous ceux qui ont soutenu la chaîne via la plateforme Kofi cette année. Un grand merci à tous ceux qui m'ont offert des cadeaux cette année. Je ne participais pas au Véléneux, je vous l'avais dit. Mais euh, voilà, vous avez été quand même plusieurs à trouver le moyen de me gâter. Donc un grand merci à vous, ça m'a touché énormément. Je vous le montrerai au fur et à mesure que euh, j'utilise, que je tricote, euh, ce que j'ai reçu. Euh, mais voilà, ça m'a fait chaud au cœur. J'ai adoré passer cette année avec vous, de faire des vlogs chaque semaine. Je crois qu'on a eu des vidéos chaque dimanche matin. Alors oui, il y a eu des fois où j'étais fatiguée, plus fatiguée que d'autres fois, mais le retour à chaque fois, oh, ça redonne mais tellement un élan et tout, ça... Non, c'est fou. Vous me portez, en fait, c'est vous qui portez la chaîne, c'est grâce à vous que je poursuis, que je continue. Donc euh, voilà, c'est un travail ensemble. Je fais des vidéos, je vous apporte apparemment beaucoup, mais vous m'apportez bien plus en retour. Donc euh, je ne peux que vous remercier pour ça. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Euh, je pense à tous ceux qui sont seuls, qui sont loin de leur famille. Euh, je sais qu'il y en a quand même beaucoup d'entre vous pour qui bah, c'est une période difficile et je suis de tout cœur avec vous. Euh, voilà, je prévois une vidéo pendant les vacances, c'est sûr il y aura quelque chose parce que je sais qu'il y en a certains qui feront rien le 31 et qui ont envie d'avoir leurs petites habitudes. Donc même si normalement si tout va bien, il y aura même deux vidéos pendant les vacances, pendant ma petite pause, histoire de, voilà, de vous tenir un petit peu comp compagnie, je vous abandonne pas en cette fin d'année. Comme chaque année, j'ai aussi une pensée toute particulière pour tous les parents euh, seuls qui n'auront pas euh, en fait leur enfant avec eux. Alors je pense... Euh, au début, c'est vrai que la première fois que je vous en avais parlé, je pensais surtout à ceux qui sont comme dans notre cas à nous. Donc, en fait, avec mon chéri, ce ne sont pas ces garçons, donc euh, ils passent la moitié des fêtes chez leur papa et la moitié avec nous. Donc cette année, ça tombe que nous on les a pour Noël et c'est vraiment la, la fête qui me tient à cœur. Donc j'aime beaucoup les avoir à Noël et on les a cette année. On a cette chance-là. Euh, mais je pense aussi, en fait, à, ben, à toutes ces mamans euh, dont les enfants ben, sont grands et sont partis loin de la maison et qui malheureusement reviendront pas non plus, au fait. Je suis tout cœur avec vous. Donc voilà, il est temps pour moi de vous laisser ici. Passer un joyeux Noël, passer un bon Nouvel An, et je vous dis à l'année prochaine. Et surtout un bon tricot hein. entre les fêtes, entre deux repas. On essaie de se reposer, de tricoter quelques mailles. On profite bien de ses proches, et je vous dis à bientôt.